C'était un couvent des sœurs franciscaines qui existait depuis 1862. Jusqu'à 1999, les sœurs franciscaines donc, vivaient dans ce couvent. L'architecte, donc Bruno Legrand, a l'idée de transformer ces 71 cellules en 46 chambres et suites dans un très très bel appartement. Ici, on est dans un endroit qui s'appelle toujours le Luberon, mais qui est le côté du Luberon qui n'est pas connu. Et pourtant, c'est très très beau, hein. Pour Calquier, c'est un très joli village. Le chef Philippe Guérin, auparavant avant de venir ici, qui avait une étoile Michelin. C'est une cuisine spécifique plutôt de la région, hein, provençale, tout, avec une tendance un peu italienne, parce que j'adore la cuisine italienne. Ici, tous les producteurs sont de la région, c'est plein de petits producteurs qui font des légumes bio, ça c'est hyper important, et travaillent encore très à l'ancienne, et font très attention à leurs produits. Avec le jardinier d'ici, on a voulu faire un petit jardin aromatique auprès des restanques, où on fait quelques produits d'herbes anciennes qu'on avait dehors, avec des petits légumes aussi anciens.